Ça devient rouge, vous pouvez plus en acheter. Alors, ça fait combien de rampants tout ça? Alors, les zombies qui n'ont pas d'exo ne sont pas plus dans... ne sont pas si dangereux que ça. Mais à un certain moment, il y en a qui peuvent sauter sur vous. On va essayer de voir un peu. Donc même celui-là, normalement, il devrait sauter, normalement. Même s'il n'a pas d'exo. Non, il veut pas sauter. Alors, il n'y a que celui qui, avec... qui a son exo qui peut sauter. Alors, voyons voir... Il faut que ce soit la bonne cette fois. Merde, je l'avais. Oui, je l'ai, putain. Donc voilà, c'est le Cell 3 Cauteriseur. Donc cauterisation. Alors c'est un shotgun à 3 canons. Avec rayon d'énergie. Ultra violent. Alors si j'ai une ligne de 3-4 zombies, je peux tous les désinguer. Alors j'ai même 3 zombies, je vais pouvoir tester. J'ai eu les 3 les gars. J'ai eu les 3. Et ce qui aide pas mal, c'est que ce shotgun, il compte comme un pistolet. Donc si vous êtes à terre, vous avez cette arme dans la main. Oh my fucking god! Ouh! Oh, oh là, oh là, j'ai une meuf au ça. Ah, oh, tu me touches pas, toi. Ok, c'était pas tout à fait ce que je voulais faire, mais bon, c'est pas grave. Boum. Alors, ce qui est bien dans le jeu... Banzai. Hop, j'ai cassé les vitres. Ah, j'en ai tué, hein. Alors vous allez voir, les zombies avec leur exo, ils ont une assez bonne capacité. Donc celui-là, il n'y en a pas. Alors oui, il n'a pas d'exo, il peut pas sauter aussi haut. Donc... Est-ce qu'il y en aurait des rampants avec l'exo, là? Ah, putain! Le con! Putain, il a failli me foutre une crise cardiaque, ce con! Oh! Ah, des... Bah oui, forcément. Ah putain, le con. L'enfoiré, il essaie... Ah non, c'est pas le dernier. Alors celui-là, il a un exo. Normalement, à un moment donné, voilà, il saute sur ma gueule. Même en rampant. Alors celui-là, comme il fait haut, bah vous allez voir, il a un exo. Il va pas se faire chier, vous allez voir ce qu'il va faire. Putain, mais quel con, putain. Mais quel con ce Z. Allez, saute. Putain, mais... Ah, peut-être parce qu'il est rampant, il peut plus sauter aussi haut. Allez, viens, bonhomme. Allez, viens. Viens voir, papa. Viens, viens, viens. Allez, viens. Allez, saute. Saute. Saute, mon petit. Saute. Oh, et puis pas les couilles. Ouh, merde. Alors, il manque quoi? Ah, il manque l'exosoldat comme comme atout. Donc, on a 5 atouts. Ah, et petite précision, quand on est en mode partie en ligne. Quand vous êtes à terre, vous ne perdez qu'un seul atout sur l'ensemble de tous vos atouts. Donc c'est à dire que vous perdez votre dernier atout. Ça peut être exosoldat ou n'importe. Et là on a les EMZ chiens.
Donc les EMZ Dog, on a les chiens IEM et les chiens explosifs. Alors la question que se posent souvent les joueurs, c'est est-ce que le EMZ peut avoir un écrasement dans la gueule? Alors oui, il peut. Et putain de merde. Ah, c'est fini. Hop. Mais normalement, tous les zombies EM, si vous leur tombez dessus, ça ne vous IEM pas. Normalement, hein, la plupart du temps. Alors, l'exosoldat. Alors, faudrait que je me casse. Et alors, l'exosoldat, il est là. Alors, vous allez voir la différence. Donc, exosoldat, ça vous permet de sprinter tout en tirant. Ça vous permet aussi de glisser tout en tirant. Vraiment faire plusieurs choses tout en pouvant tirer. Alors vous allez voir, normalement comme ceux-là ils ont un exo, ils vont pas se faire chier, voilà, ils sautent. Waouh, aïe aïe. Allez, roi, bande de PD hein. Ciao les PD, je me casse. Aïe 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 aïe, ça pique. Alors le vide ordure, bah, vous payez 100 dollars, vous rentrez dedans, et vous atterrissez ailleurs. Ça peut être n'importe où. Et même aux endroits où il faut pas. Ouais, bordel. Alors la tourelle arrachée, donc ça c'est un lance-roquette. Oh oh, pas par là. Alors vous avez un vide ordure un peu partout. Oh my god. Oh my god. On peut voir que les zombies peuvent être quand même assez cons. Ah, lâche-la, lâche-la. Voilà. Alors comme j'ai assez de points pour améliorer, donc je vais améliorer un peu. Ouh. Merde. Alors je crois qu'il y a un succès à gagner, c'est en piratant. Je crois que ça doit être un truc du style pirate. Putain, ils sont violents, hein. Ils sont franchement violents. Voilà là. Oh l'enfoiré. Ouh, putain. Chaud patate, chaud patate. Voilà. Donc maintenant j'ai mis camouflage. Vous allez me dire c'est un peu bugué parce qu'on vous voit pas invisible, mais bon. Oh, j'ai cru que c'était un joueur. Mais non, c'est un Z. Eh, hey, il crève pas celui-là hein. Oh, ok. The gros bug. Bon, c'est pas grave. Dégage. Il est où le Z? Ah là. Ok. On pourra faire une photo. Alors, bon allez à la branche. Oh merde. PDW. Bon, j'imagine que cette mitraille doit être pourrie. Ouh. Raté. Raté coco. Bon, on va s'intéresser à l'améliorateur d'armes du coup. Donc on en a un ici et de l'autre côté. Et allez, stylé. Alors vous pouvez améliorer autant de fois que vous voulez, tant que vous y mettez le prix. Ah, et petite info, donc dans les anciens modes zombies, à chaque fois qu'on passait une arme à l'améliorateur, pack-a-punch, etc., normalement, dans Black Ops 2 par exemple, vous payez 2000 points et vous obtenez un accessoire. Donc vous payez 5000 l'amélioration, puis l'accessoire. Mais ici, si vous voulez, vous payez donc l'amélioration et vous regagnez des munitions, sans avoir à attendre le max ammo, comme dans les anciens volets. Alors on va, vous allez voir, donc je vais tirer
2 cartouches. Donc je suis à 80. 78. 16,78. Je vais l'améliorer une dernière fois. 16,80. Je repasse à 16,80. Munitions maximum. Ce qui est franchement génial. Bah franchement ça, là ça me perturbe quand même. Oh salut, ça va? C'est de la merde. Ouh, raté Alfred. Ouh. Ah l'enfoiré. Non, non, là tu m'as pas là mec. Wouh. Wouah. Ah l'enculé, j'ai fait une propulsion. Eh, niveau poids ça gère cette arme par contre. Wouh. Oh, salut, ça va? Ouh. Non mais là c'est pas drôle, c'est pas du jeu là. Pas du jeu. Non, là c'est pas drôle là. Ah mais par contre des fois vous pouvez taper contre le décor. Putain mais la blinde de poing cette arme. Ah bah là. Oh désolé, j'ai pété la vitre. Merde. Fallait pas descendre, monsieur. Oh, tu m'as raté, tu m'as raté. Oh putain. Merde, j'ai raté, comment j'ai pu rater un rampant pareil? Allez, on joue ensemble, jouons ensemble. Allez, plus haut, super succès. Ah le salaud. Saligo, saligo. Ouh. Merde, tu avais oublié, putain, à chaque fois. Attendez, à plus gros. Allez hop, on va sortir la grosse artillerie. Ah y'a. Faudrait que je fasse un gros groupe. On va le garder quand même, on sait jamais. Oh, multiplie. J'en ai besoin. Même s'il y en a plus que... Salut, coco. Eh mais c'est que t'es coriace hein toi. Bon allez, y'a pas.
Ah oui, c'est vrai. Le rampant, il est tellement rapide. En plus, c'est un rampant exo. Allez, viens. Viens. Allez, viens. Allez, viens. Ah, il y a vraiment moyen de faire chier les zombies, franchement. T'es vraiment qu'un tas de ferraille inutile. Ah, si la boîte clignote de genre, enfin l'imprimante, ça veut dire qu'elle se déplace. Mais moi, je t'emmerde. Ah, bien dit, Oz, bien dit. Alors, on n'a pas vraiment de moyen de savoir où se trouve la boîte, à part cette carte, je crois. Ou alors, ah non, c'est notre position qui est indiquée, en fait. Bon, c'est en qualité faible, donc vous m'excuserez. Ah bah la boîte elle est juste là en fait. Oh yeah. Alors c'est pas comme dans le campagne. C'est pas comme dans la campagne. Donc l'IMR en question, c'est un chargeur. C'est pas comme avec le système de rechargement de munitions. Sinon ce serait trop cheaté. La visée est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a des trucs de piratage? Oui, il y en a ici. Ici non, non plus, non plus. Hop. MP11. Ouais, je pense qu'il y en a que 2-3 qui spawnent par vague de ce système là. Ok, je pète encore tout. Je casse tout. Pousser l'échéance. Et un coup de poing, j'y décapite. Direct. Même pas peur. Ok, je savais pas que c'était un rafale, putain. Je suis là! Je suis là! You! Oh le con! Eh merde! Ah mais non, là l'IMR, là tu peux aller te faire foutre, là je reprendrai plus. Hein. Eh merde, je m'en doutais. Ouais, oh, système de sécurité va te faire voir. Alors l'arme, elle a un défaut quand même, cette arme spéciale a quand même un gros défaut, c'est qu'elle est très lente. Mais elle est puissante. C'est déjà ça. Oh. Alors le couloir là, c'est le couloir le plus dangereux de la map. Parce que s'il y en a qui viennent d'en bas, vous êtes encerclés. Comme ça quoi. Alors, qu'est-ce combien tu donnes cette fois? 600. Ah, mais oui, mais voyons. Ah ouais, dès que vous avez les EM7, c'est le bordel. Ah
Oh là là. Eh merde. Oh non, il y a une bombe ADM là, putain. Alors, je vais faire le tour avec un peu de bol. Alors les bonus, ils disparaissent quand même très vite. Ce qui est dommage. Alors ça m'étonnerait de pouvoir récupérer le bonus. Quoique, quoique... NON ! Fucking bitch ! Ah là là ! Alors pour ceux qui se poseraient la question, oui, il y a le retour de la bombe singe. Ou du moins une sorte de bombe singe, c'est un drone. Que vous lancez, vous en avez deux. Vous lancez le drone, et hop, tous les zombies s'agglutinent dessus. Hop là. Oh putain, c'est sérieux? Alors l'imprimante, elle était... Ah oui, la scène des exos. Merde. Oh le con. Ah. Allez, redémarre, 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 redémarre. Ouh. Tiens là ta gueule, mon pote. Alors ça sert à rien de jouer à la boîte avec une telle vague. Et tirer à côté. Oh, j'ai un rampant. Ouais, ça a marché. Merde, j'ai manqué de munitions. Dodo, Dodo Marcel. Oh, oh, oh là, oh. Ah, ils ont tous les deux un exo, putain. Mais oui, bien sûr, donne-moi le lance-roquette. Ah bah là, t'oublies. Hein. Moi, je le prends pas. Hein. AK-12, ah, c'est déjà un peu mieux, là. Là. Alors il y a aussi l'arme EM1, donc mais c'est pas en tout ce qui est arme à énergie dans ce dans le mode zombie exo-zombie, ce sont des armes à munitions ou à pourcentage, mais pas des armes à cadence illimitée comme dans le mode multijoueur, ce qui est plutôt réaliste dans un sens. Alors venez les rampants que je vous dégomme. Ah mais non, c'est vrai, je dois améliorer absolument une arme. Surtout la K12. Ah bah là. Hop. Voilà, un peu de puissance en plus. Alors, encore une fois. Ah oui, il vient de s'exploser tout seul. Il a perdu la tête. Et voilà, donc la vague redémarre. Enfoiré d'Atlas. Merde. Merde. Oh là là, oh là là, oh là là. Chaud patate, chaud patate. Wow.
Alors comparé aux anciens modes zombies où vous avez deux grenades par vague, là vous n'en avez qu'une. Ah mais vas-y quoi. Non. Là vous rigolez là. Là vous rigolez là. Bah oui. Bah oui, à ce niveau là. Ouais voilà. Vague 17, vous pouvez franchement pas faire grand chose. Bon bah voilà, c'était le mode exo-zombie de Advanced Warfare. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit j'aime et un commentaire sur cette vidéo de ce que vous en avez pensé du mode, du nouveau exo-zombie. Et voilà, donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde, portez-vous bien. Peace!